Once upon a time, in another world, in another dimension, the destiny of the universe was being played in a battle between good and evil. The legend would be born, Sword and Blood. Eh bien salut tout le monde, c'est Mister TC11. Aujourd'hui on se retrouve pour voir une petite vidéo sur un jeu rétro qui s'appelle Legend, qui est sorti en 1996 sur PlayStation 1 uniquement. Donc c'est un beat démo classique où faut foncer dans le tas. Donc je vais régler la résolution. Parce qu'en fait le jeu a pour est assez difficile dans le sens où on a des ennemis qui se défendent très fortement et ça devient compliqué pour se défendre. Action! Let the legend begin! Bon, non, on a un chargement. En espérant que ça replante plus, mais ça n'a pas l'air de replanter. J'ai déjà relancé deux fois la capture vidéo. Donc voilà dans le jeu. On peut faire un peu les mouvements qu'on veut. Foutre des coups, sauter. Foutre des coups de pied, courir en appuyant deux fois sur les croix directionnelles, se défendre en appuyant sur R1, mais il faut un timing de dingue. R2 plus une touche d'attaque, ça fait une attaque lourde. Donc il y a de quoi faire. Comme ça. Le jeu est assez difficile donc je m'en prends un peu plein la gueule. Hein. Et chaque personnage a sa spécificité, c'est-à-dire que le guerrier il se bat mieux avec des armes, le chevalier se bat mieux avec ses point et la fille c'est pas mieux avec les doubles dagues. Donc je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. On verra vers la fin. Il y a plusieurs armes comme l'épée, la hache, l'arbalète, la grande épée et... Ah oui, il y a un gant magique aussi, ça c'est une arme complètement bizarre. Elle touche n'importe quel ennemi. Aïe. Là par contre ils sont super gênants comme ennemis d'habitude, sauf quand on a la technique. Avec le guerrier que j'ai pris ils sont assez faibles. Il y a plein de fois où je me prends souvent les coffres parce qu'ils tombent du ciel et c'est assez gênant parce qu'on
perd beaucoup de vie en prenant les coffres. Ça devient dur. Là je joue en normal, donc la difficulté est assez relevée quand même. Parce que plus la difficulté est élevée, plus votre plus les ennemis vont se défendre et plus ça va devenir dur. Et il y aura aussi des fois plus d'ennemis dans certaines zones. Le vin il rend un peu de vie, il y a aussi... Par contre je ne sais plus à quoi servent les bouteilles. À la fin de chaque zone il y a des boss qui seront en fait du type de la zone que vous avez faite. Donc ici c'est la zone terre, on va avoir un boss qui sera sur terre. Je dois dire que je me souviens plus tellement des boss, sauf le premier. C'est facile à battre quand on connaît le pattern. Là je viens de lui découper un bras parce que c'était beaucoup moins censuré chez les Américains que je pars chez nous. Je me suis défendu donc j'ai pas perdu mon arme. Là, je me défends quand même assez souvent, j'espère que vous entendez pas comment je mâche ma manette. C'est assez difficile de jouer en même temps de commenter, surtout que le jeu gameplay est assez nerveux. Et en plus les ennemis ont ils vous narguent, mais à chaque fois que vous prenez un coup et que vous êtes par terre. Je pense que c'est super frustrant en plus. Ah bordel, j'y arrive plus. Vous pouvez aussi prendre les ennemis, oui, ça j'ai oublié de le préciser, mais... Là, il vous nargue. Comme c'était logique. Des fois, il faut pas avancer trop vite dans les zones, parce que... Des moments, il se peut qu'il y ait des coffres qui vous tombent sur la tête. Là, vous rigolez. Parce que ça fait rager de se prendre les coffres. Assommé là. Ah, j'ai presque perdu une vie. Non, 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 non. Si je me prends un coup par derrière. Et voilà, je me suis pris un coup par derrière donc. Quand on meurt, il se passe un truc, c'est que on va exploser et on va renaître quand on a cours des vies. Et c'est pas mal comme effet je trouve pour l'année où est sorti le vidéo. Le jeu vidéo quoi. Je raconte un peu de conneries. Voilà l'arbalète que je vous disais tantôt. Donc elle est plus forte pour celle qui... pour la femme ça.
C'est-à-dire que les ennemis ne peuvent pas contrer les tirs tandis que là ils peuvent les contrer quand vous avez des ordres. Et elle a pas beaucoup de flèches. On va essayer de récupérer la hache pour leur taper dessus. Par contre ils m'ont fait très mal. Bon là ils commencent à avoir les alligators qui sont des ennemis hyper chiants avec leurs boucliers comme ça. Et ils ont une épée méga longue qui fait énormément emmerder l'homme. Ah, la preuve. Ils sont pas très résistants mais avec leurs boucliers ils font tellement de coups que c'est tellement énervant. Et ils vous narrent. Comme ça. Étant un jeu de rétro et un jeu tellement dur, ça fait énormément rager. Bon, moi je rage très rarement. Ce jeu est frustrant par ses difficultés. Comme ça. Oh non, encore une vie perdue. Là je les ai décapités, enfin coupé en deux surtout. C'est un peu bête parce que j'aurais pu faire ça avant avec mon ancienne vie. Le mieux c'est de taper les ennemis dans le dos, comme vous voyez. Parfois c'est assez compliqué. Wouah, mais d'où il vient ce coup? À chaque fois par derrière, c'est une horreur. Oh, ils sont en train de me ganguer dans le coin. Oh putain. En plus, il vous n'a rien. Ça, bien à faire. Moi, c'est drôle. Hein. Par contre, quand je prends une épée, je suis invulnérable pour une frame. Donc ça fait que je peux les frapper, mais plus facilement. Voilà, on continue encore un peu. Interdire les armes aussi si vous le souhaitez. Ouah, merde. Fire, fire.
des fois très dur de viser. Hein. Vu qu'on n'a pas de stick analogique et une coupe plutôt. Mais plutôt une croix directionnelle, c'est plus difficile. Comme il a sonné, il faut en profiter. Aïe! Oh, mais c'est pas possible! J'ai presque plus de vie, quoi, merde! Oh, mais non! C'est pas possible, ça! C'est dur! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu non plus! Et ça vous met en rage. Ah non, mais allez quoi, là je me défends. Cadeau. Ah, même les armes qui arrivent à je sais pas comment ils font. C'est une bonne affaire. Là vous voyez, quand il y a un halo bleu, c'est que c'est l'arme de prédilection du monde. C'est-à-dire qu'elle a un surplus de puissance. Longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Ouais, j'avais envie de faire une vidéo parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce jeu. Voilà. Bon, là on arrive au boss. Ça va être plus gênant parce que je n'ai pas d'arme. Et voilà, quand je disais qu'on se prend des coffres à tout, pendant tout le jeu, c'était pas des blagues. Par contre, le boss est pas très solide. Il suffit juste d'appréhender son pattern. Ah merde. Par contre, là, il m'a fait très mal. Allez, encore une vie de perdu. Bon, écoutez, peut-être que la quatrième fois je perds, quoi. Bon, il est vrai qu'avant je jouais en facile, mais je me dis que facile ça aurait été un peu trop facile. Mais bon, ce jeu est vraiment beaucoup plus accessible quand on joue un peu. C'est pourquoi je fais pas un playthrough pour le moment. Parce que j'attends de voir avec mon ami si on peut avoir...
C'est une possibilité de tourner une vidéo à deux pour faire le jeu. Et elle qui n'a jamais joué, ça peut être fun à regarder. Je pense qu'à la fin. Après ce premier boss là, bof, je verrai où j'enregistrerai. Parce que le jeu est quand même assez long, il n'y a pas de continu, donc faut déjà arriver à la fin du jeu, je pense qu'il dure 3 ou 4 heures. Imaginez les trucs. Faut pas éteindre votre console pendant 3 ou 4 heures. Facile en fait de contrer les boss parce qu'ils ont un pattern assez comme ça, un pattern assez différent. Donc, moi souvent je contre une attaque sur deux, mais la première j'arrive pas à l'anticiper, donc c'est un problème. Et en fait, vous pouvez continuer de le frapper si vous voulez. Ça reste une option quoi. Bon, ça reste néanmoins un jeu de scoring. Parce qu'il faut quand même dire qu'il faut. Celui qui tue le boss gagne les points. Donc c'est drôle au moins. Au moins, ça fait une petite compète entre amis. Ici, c'est un mini-jeu. Qu'on va avoir, c'est pour en fait on va devoir péter des tonneaux et les tonneaux vont rapporter du crédit pour après avoir un marchand qui va offrir ses services quoi. C'est un petit peu pas si simple de viser les tonneaux. On a flèche limitée par contre, ça c'est pas mal. Maintenant on va passer au coffre. Et chaque coffre autre chose pété, ça vous rapporte 2 secondes. Ça vous permet en fait de. Mais je peux. Ça vous permet d'avoir plein de choses. Mais. Si votre ami voulait les coffres à deux, c'est son choix. Ça peut être un jeu de. Ça peut être un jeu de stratégie, c'est genre. Pas croire. Parce que quand on joue à deux sur le même écran, il y a deux arbalètes sur l'écran, il y en a un qui souvent vise celui de gauche, l'autre vise celui de droite, mais si vous avez envie d'être d'emmerder votre ami, vous pouvez toujours. Il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant on va aller sur le marchand pour s'acheter des vides, plein de choses. Hey, welcome. Bon, j'avoue qu'il est pas très beau, mais bon, faut faire avec. Là c'est mieux de s'acheter plein de choses. Voilà, j'ai acheté ici. L'algan magique dont je vous parlais, c'est un gant assez abusé.
L'arme la plus puissante, ça reste la longue épée, puisque comme je suis guerrier, la longue épée est plus importante. Écoutez la musique, elle est... dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça sympa comme musique. Sincèrement ça rappelle en fait les vieux jeux. Donc je vais prendre la longue épée et on va continuer sur cette lancée. On arrive au deuxième monde. Bon là on va arriver au pattern de chien. C'est un peu chiant je suis, parce qu'il bouge dans tous les sens. Bon je dois dire lui il est pas très habitué à porter des longues épées. Donc c'est assez lourd pour lui donc ça va être un peu chaud. Surtout avec ça. Surtout avec les chiens. En fait le seul qui peuvent pas qui puisse porter cette longue épée c'est. C'est pas possible. J'arrive pas avec les chiens. Le mieux c'est Kay pour le chevalier pour les chiens. Parce que lui il peut toucher tout par terre, à ras de sol, c'est pas mal. Là, il va tellement lentement pour l'épée. On n'a pas le temps de. Les chiens ont le temps de vous narguer et vous tuer en même temps. Ah mais je m'en prends plein la gueule par les chiens, d'habitude ça arrive jamais. D'habitude je prends pas le guerrier non plus. Voilà, je l'ai eu. C'était chaud mais je l'ai eu. Assassiner le chien. Malgré tout, on voit bien que c'est un handicap, c'est le grosse épée pour lui, j'avais oublié ce détail. Même si l'attaque est imparable, ça n'en demeure pas moins super difficile à aligner les ennemis. Quoi. Parce qu'une fois que vous avez lancé votre attaque, il n'est pas possible d'aligner. Il n'y a pas possibilité de cancel les attaques. Donc si vous avez lancé une attaque, c'est bon pour vous et on se fait vite avant. Et le chien. Ah, je vais essayer de l'amputer parce que sinon je vais vraiment pour m'entrer. Voilà, je l'ai eu. Là-bas, je pense que le coffre on peut le péter. Ah non. Elle est morte donc hop. Voilà je l'ai vu. Tout ce qui est fruits, pastèques, pommes et tout, ça vous redonne un peu de vie tandis que les filtres magiques vous redonnent encore un peu plus encore. Mais là en fait ça peut faire une attaque de combo. Bon comme ça a fait là, ça m'a même touché avec. Moi je pensais l'éclater mais en fait ils n'ont pas voulu ça. Ah merde, je me suis gouré de touche, c'est pas ça que je voulais faire. Ça bien chaud au niveau vie. Voilà.
excusez-moi. Donc ça, là je suis un peu concentré parce que le jeu demande quand même beaucoup d'habileté. Bon là je suis mort, encore. Ça se sentait venir. J'avais presque plus de vie donc... Là... On va jeter le cochon sur l'autre. Malheureusement, si vous avez des armes à proximité des flammes, elles sont détruites aussi. Donc ces flammes sont un bien pour un mal parce qu'elles écartent les ennemis mais elles tuent vos armes. Donc peut-être pas toujours la meilleure solution. Bon les garous ils sont pas tellement difficiles à battre. Elles se défendent à peine, elles sont plus sur l'attaque. Voilà, j'en ai déjà eu. Voilà, montre à quel point c'était facile à battre. Bon j'irai pas jusque là mais je pense que à la fin de ce niveau là on va se laisser. Et si on n'a pas le bon le timing parfait pour défendre, on rate notre coup. Et... Là pourtant je me suis défendu deux fois et pourtant ça n'a pas suffi. Dans les commentaires, si vous voulez commenter quelque chose, vous pouvez me dire si vous savez le jeu, si vous êtes bien amusé dessus. Comme ça, ça pourrait être fun. Hop, on va vite récupérer l'épée, parce que l'épée elle tue facilement le chien donc... Aïe, par contre là il vous l'arrive. Je prends les gold et l'épée, et le vin qui permet de récupérer la vie. Je ne sais toujours pas à quoi servent les filtres. T'as une lance. La lance est encore mieux maniée par la fille. Vous voyez, les effets sont quand même assez beaux. Même si un jeu de l'époque où il y a un peu vieilli, c'est vrai. Sinon, je trouve qu'il est encore bon pour un jeu PS. Là, quoi. Ah, j'ai essayé de ramasser un truc. Le mec m'a fait reculer, il m'a fait foirer mon coup. Hop. Et là, il me regarde. Bon, je vois ça. Bon, voilà. Là il y a de la viande qui m'a heurté beaucoup de fait quand même. Donc là le chien tout seul ça fait mal. Tu le gages. Putain il me twerk quoi. Tué par un chien. Non mais la honte quoi. Non mais la honte. La honte. Lol, il s'est passé quoi? C'est quoi ce bug? Fight, fight.
je viens de ces bugs. Ah oh, voilà. Ils attendaient juste que je bouge, le sale con. Se défendre, donc c'est leur principe, mais ils attaquent vraiment, ils font vraiment mal en attaquant, donc là. Et là, ça. Oh merde. Alors on peut avancer pour la prochaine zone. Donc chaque zone est subdivisée en trois petites zones restreintes. Donc je sais plus combien de niveaux exactement dans le jeu. Là on est au 4, on est au 5ème, donc on est au 2.2. Voilà les loups-garous arbalétriers qui sont assez pénibles parce qu'ils sont bien. Bah, en contrepartie, ils ont pas une forte attaque. Regarde, par rapport à certains. Et là, il va tirer. Mais par contre, ils sont super durs à contrer parce que je n'y arrive pas très bien. Et par contre, ils foutent des flèches, mais tu sais même pas comment ils font. Ah, mais j'y arrive pas, c'est dingue. J'ai quand même réussi à le contrer, ce qui est pas mal. Par contre, eux ils vont super gagner parce que je rappelle que si ceux-là ils se défendent bien, ils attaquent. Super pénible à les tuer ce machin. En fait c'est bien simple, si vous jouez en facile, les adversaires ne se défendront pas. Vaut mieux désactiver cette option de défendre, sinon on ne s'en sort pas. Voilà, je t'ai coupé un bras. Tout gentil, tout mignon. Voilà, donc maintenant on va passer, hop, dans la prochaine zone. Ah zut. J'adore cette lance. Oh non, je suis mort. Oh, c'est bête. Thank you.
absolument plus le boss de cette zone. Je sais même pas quoi dire. Donc voilà. Allez, y'en a combien? J'oublie ça. Je crois pas quoi. Je m'en prends plein la gueule. Oui. Encore des... Je vais le mettre.
Bah allez, je me défends. Toi, moyen. Voilà, on s'en va. Vers toute aventure. Oh non, mais c'est pas possible, j'y arrive plus là. Il m'a fait une... il m'a fait quasi un Kaeli quoi. Oh, je me suis fait gang. Bon, je suis pas sûr d'arriver à la fin de cette zone. Fight! 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 F
game over. Bah bon. Directement dès qu'on meurt, on retourne à la scène d'introduction. Donc, on va se laisser ici pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Commentez la vidéo pour me dire si vous aimez le jeu aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, c'est tout ce que j'avais à dire, donc si vous aimez, vous likez, si vous voulez commenter, commentez et me dire ce que vous pensez du jeu, ça me ferait plaisir. C'est un jeu que je jouais quand j'étais beaucoup plus petit, donc c'était assez fun à jouer quand on jouait à deux. Bon allez, sur ce, salut à tous.